Ben, la maison a été construite en 2013, donc elle accueille une famille de 4 personnes, donc avec deux enfants, deux ados de 15 et 17 ans, 160 mètres carrés. Alors au niveau besoin énergétique, oui, il y a une piscine, donc ça consomme un petit peu d'électricité quand même, parce qu'il y a une pompe qui tourne. Alors le chauffage, c'est une pompe à chaleur RO avec un plancher chauffant au rez-de-chaussée. Et puis les petits chauffages d'appoint, pas grand-chose à l'étage. Sur la maison, c'est une maison en monomur. Voilà, donc c'est quelque chose qui est relativement confortable, surtout pour le confort d'été. Alors particularité, peut-être le monomur, parce que c'est pas très courant comme mode constructif. Voilà, donc ça présente l'avantage d'avoir de l'inertie. Sur les périodes d'été, elle est beaucoup plus facile à rafraîchir. Le mur est porteur et constitue aussi l'isolation. Voilà, c'est des briques alvéolées. Le but, c'était de diminuer l'impact global de la maison, c'est-à-dire de diminuer sa consommation et produire de l'électricité et aussi produire de l'eau chaude sanitaire parce que c'est quelque chose qui est très, très efficace en termes énergétiques. C'est-à-dire avec pas beaucoup de mètres carrés de panneaux, on arrive à couvrir une grande proportion des besoins en eau chaude sanitaire. Ben justement, c'était le fait qu'on voulait à la fois produire de l'électricité et aussi qu'on voulait produire de l'eau chaude. L'eau chaude sanitaire. Dualsun offrait ces deux possibilités, hein, d'avoir sur une même installation à la fois le photovoltaïque et la production d'eau chaude sanitaire. Donc j'ai un contrat de rachat de mon électricité produite par l'installation sur 20 ans par EDF. Et donc comme le prix de rachat est encore bien supérieur au prix de l'électricité qu'on consomme, ben, ça me permet d'amortir un peu plus vite mon installation. À mon avis, on a dû chercher sur Internet et trouver l'idée du panneau avec les deux fonctions intéressantes. L'installation, elle s'est passée, on est tombé sur des gens relativement sérieux. Hein, c'était Watt & Home, la boîte qui nous a posé les panneaux. Et là, depuis, on n'a pas eu de problème, tout fonctionne tout à fait normalement. L'installation s'est bien passée, il n'y a pas de problème, ça marche bien, il n'y a pas de souci. Et on produit régulièrement de l'eau chaude et de l'électricité sans souci. Ce n'est pas une première expérience, on avait déjà des panneaux, pas photovoltaïques, on avait les panneaux, on avait un système de production d'eau chaude sanitaire sur une ancienne maison, avec une autre technologie. Qui présentait des avantages et des inconvénients. L'inconvénient, c'était qu'il pouvait y avoir une surchauffe. On n'a pas ces problèmes de surchauffe qu'il y avait avec les anciennes technologies. Globalement, oui, c'est vrai qu'on n'a pas énormément de recul pour l'instant, parce que l'installation, il va falloir qu'elle dure au moins 20 ans. Mais on n'a eu aucun souci, on produit de l'eau chaude, de l'électricité, sans problème. Donc bien sûr, ouais, je recommanderais cette installation. Ouais.